On fait pas connaître résultat. Résultat par l'autre, PM l'a prêté là pour 7 février 2025. C'est lui qui a proclamé élection. C'est fini. Ou allez mettre des PM là pour m'aller. Et c'est ça que fait. Vous êtes content de voir le directeur de l'ILCC. Vous êtes content de voir l'autre monde. Il a obligé d'inviter l'autre monde. Ouais, c'est même ça là, il y a n'importe 15 à 20 rapports qui ont sorti. Sors ouais là, pas pour rien devant ça qui est pour sortir. Vous pouvez commencer à investir dans la justice. Sanction locale là, c'est lui qui commence. Sanction internationale là, à venir. Ou après Claude Joseph, frère, ou pas besoin de frère Claude Joseph. Ou pas besoin de frère, ou mettre poème sur vous, ou pas besoin de frère. Dans ce semaine qui a venu là, ou après ça qui a passé, ça qui a passé pour vous. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fiat TV 83. Dernière information, c'est sous Chanel Paola. Je dis à un content de retrouver vous dans ça. Et c'est le moment pour nous porter pour vous. Principal point qui va le faire essentiel dans la nouvelle là pour jeudi. Dans une conférence de presse, Espoir démocratique, by par un de l'entête déclaré très fort Ariel Henry là pour 7 février 2025. Il fait qu'on est, quel que soit le monde qui t'a souqué, quoi, un MDPM n'a pas l'empile, tout coup Claude Joseph, lui dit qu'il mettait un goût gang. Qui n'a Mariani cap ratiboise moun, j'en connais depuis quelques semaines des problèmes dans la zone ça. Et monsieur accusé, effectivement, c'est Claude Joseph qui derrière tout bagay sa yo. Par conséquent, li allait plus loin pour le dire. Claude Joseph, il faut gagner sanction de elle pendant l'obtention dernier rapport qui vient pour sortir dans l'ONU dans la semaine. Ça, j'en connais un pile rapport qui est sorti tout en Haïti suite à cause ILCC à cap frapper pays. C'est jeudi, il y a une réunion faite dans le pays Kenya. Il a finalement décidé de joindre un consensus côté Sénat délivré pour gagner 1000 soldats qui gagnent pour débarquer dans le pays d'Haïti. Est-ce que c'est jeudi? C'est demain? Jusqu'à présent, pour reconnaître qui date qui joue, mais il y a un feu vert pour gagner courir. Effectivement, un pile monde déjà campé sous des pieds militaires à Ptan Kenya qui t'a doué vine poté l'armée fort par la police nationale là qui déjà un homme réduit un pile la dernière. Parti Al Biden, chef la police là, qui te fait déclaration ça. Mesdames, messieurs, restez là en pile pour faire essentiel pour aujourd'hui. Pas oublier ou sous Sofia TV 83, songez abonné ensemble avec ou pas prater aucune information n'a publié. So, ouais, là, pas courant. Moi, tu pas là, voilà, c'est pas n'importe qui qui a parlé. Son président parti politique a parlé. Président parti politique et soit démocratique. Nous, t'es là en compte ensemble avec CARICOM, c'est pas n'importe qui qui t'es là en compte. Ça veut dire, nous, 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 opposition. Exemple, bon, mes amis, comment tu es capable de comprendre pour l'inébal, ça t'a dit pour payer Marie Henry, etc. C'est ça qui crase au pays. Nous battons au pays crasé. Oui, Daniel Siria qui est dans le pays ensemble avec le sénateur Edgar Leblanc. Et même ça, il y a une discussion là. Parce que, il y a discuté, il y a dit, pas de prendre l'inébal, ça pour chuter ensemble avec nous. Pour dire pour payer Marie Henry, tandis qu'il y a ça dans le pouvoir. Effectivement, l'inébal, ça avec nous là dans le pouvoir. Mais où est l'Inde Baltasar, c'est le cap de ça, faut PM la réalité. Ça vient de OPL crasé. OPL crasé, côté comme si nous avons une extraction. C'est une discussion qu'on a faite par rapport avec, il dit comme ça, on ne peut pas citer avec Intel. Comment on comprend comme si vraiment, oui, l'extraction, c'est le cas. Nous avons une opposition, pas d'opposition. C'est la première fois. Donc, même côté où les gens là, ils n'ont pas l'opposition, c'est même nous-mêmes là. C'est une raison pour nous dire bien, notre transition n'est pas capable de gagner. Ou l'autre transition. Pas capable d'avoir alternance. Question comme si mon abdou père Marie Henry Aléa, nous répétons ça encore. Nous déjà pour le résultat final là. Mais ça nous garde comme je dis oui. Nous ne pouvons pas attendre le directeur de l'ILCCA à ce un bon rapport, nous ne bien. Et même la majorité de nous, c'est le monde qui a fait manifestation contre PM. Des fois, même des PM, sanction locale, sanction internationale. C'est clair? Est-ce qu'on a un gouvernement en va être des sanctions? Jamais. Pas de sanctions, pas tant de papa, date ça a marché volé, date ça a pris parlement, date ça a pris au NA, vous êtes content des sanctions? Et maintenant, on va parler avec vous. Depuis ce monde qui a aimé des PM, on va aimer des PM là, il y a pas de sanctions. Et bien, c'est ça qu'on voit là. C'est même ça là, où est-ce que vous nous attendez encore? Ou après, l'on garde des UI là, tout de suite, mais ça me fait mal. C'est fini net. Mais c'est fini. Monsieur, figurez la toi, tu descends net, 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 net. Oh, mais c'est pour nous qui disons sanctions par Itinan. Comment par Itinan? Oh, bon, hein, là, il y a sanctions. Bon, c'est parti, Itinan. Pas de l'huile, démission, comme coordonnateur général. Ça veut dire que la politique encore, la vie finit. C'est un bon exemple, c'est pour nous bien. Pas de sanctions par Itinan. Comment par Itinan là? Par exemple, avant hier,
et nous avons des propositions, des groupes qui m'ont dit pour payer Barry Henry. Oui, proposition, qui est ce groupe? Le regard qui est dans le groupe là. Mais ça me la personne prend notre oui. L'Iné Baltaza. L'Iné Baltaza, dans le groupe, il m'a dit pour payer Barry Henry. Nous profitons pour nous dire ça. Nous, même au niveau parti politique, espace démocratique, qui défend le gouvernement. Dans le groupe opposition, le groupe minoritaire là, nous gagnons des partisans là-dedans. Tant pour l'idée Baltaza, c'est nous-mêmes qui voulons aller à la G8 là. G8 est toujours pas nous. G8 là, c'est G8 pas nous. Même quand tu as l'idée Baltaza, tu dis contre PM là, la commande de PM à Yélan, Yaliba, etc. C'est nous-mêmes qui voulons aller à Kenya. Haïti, sécurité. Le Parlement kenyan a approuvé le déploiement de 1000 policiers en Haïti, dans le cadre de la force multinationale qui doit être en Haïti sous peu. Le déploiement est prévu pour quand en Haïti? Bon. Les carottes sont cuites. Donc, définitivement, Kenya paraît pour débarquer en Haïti. Donc, les problèmes politiques au Kenya étant résolus, parce que c'était un problème avec le Parlement, un problème avec l'opposition, chaque monde a un point de vue par yo, ok? Ça te fait que tu as une grosse discussion. Donc, dans Kenya même, ok, sous question Kenya qui t'a dû prendre tête, une force multinationale donc, pour rentrer en Haïti donc, au début de l'année 2024. Donc là, tout le bagage est pratiquement ok. Et maintenant, le Parlement kenyan li approuvé déploiement permanent à toutes, mais pas oublier que Kenya a demandé 225 millions d'euros qui pouvaient nommer le cash avant li la Gécha. Oui, il faut comme la clé. Faut comme la clé dans le OK. Ça veut dire que là, et c'est peut-être les États-Unis qui ont peut-être été pour permettre que Kenya vienne comme là, également les Nations Unies, pour être capable d'entrer en Haïti en janvier, genre que ça a été annoncé. Maintenant, on nous regarde des questions. 1000 policiers kenyans, comme si, permettez-moi tout. En population de 12 millions d'habitants, 1000 policiers kenyans. Il y a un problème ça qu'il a raté. Non, on pile pays qui a participé. Sans pile pays qui a participé. Oui, mais Kenya a bien plus. Oui. C'est Kenya qui a bien plus de policiers. Oui, mais il y a venu à presque 5 000, oui. D'après, tout le pays qui a bien un bagage là. Ok. Bon, même s'il y a 5 000. Non, plus police nationale. C'est quoi ça pour elle? Plus police nationale. Plus police nationale. Bon, on nous fait une réflexion sur une commune, par exemple. Très bien. Disons 50 blancs, bon, 50 soldats internationaux, 50 soldats internationaux, et ils mettent sous policiers qui n'ont commune, par exemple. Mais il y a un beau bagaille. Très bien. Il y a un beau bagaille. Maintenant, c'est opération autour. Il va n'importe quoi. Non, mais écoutez. Parce que mettez policiers internationaux dans le commissariat. Si pas de opération, c'est la vie, monsieur. Non, mais il y a une opération. Ah oui, il faut une opération. Mais pour ça, il y a une opération. En aide à la police. Mais pas oublier tout que l'opération, les nécessités, il y a un minimum de moyens. D'ailleurs, ça fait que la police a dit, ah, ou elle a souffri, tout souffri là. Parce que la police a tout dit que, bah, moi, y a pas bail la police. Y a pas bail la police. C'est la méchanceté, cruelle. Oui. Y a pas bail la police nationale. Okay. Maintenant, la police nationale doit profiter de présence internationale pour résoudre le problème que y a besoin. Mais il faut rappeler que y a pas là pour ça. Y a pas là pour venir demander des gangs. Il va venir là pour demander mais son bagage qui dit yo vini, qui pas dit yo vini pour question de sécurité à certains édifices publics tant qu'au palais national tant qu'au palais législatif et aéroport et la trier OK mais la question intervention sur le terrain c'est pas ça vous fait non c'est pas ça vous fait oui mais en aide à la police qui ça veut dire qu'il y a place justement donc en aide à la police mais qui ça veut dire ah ben, par dit. Exemple si la police on nous prenait pas de zone que nous connaît bien c'est bien on nous dit go naïf et puis la police gagne une nécessité pour
Coco Atsaras. Coco Atsaras. Ok, pour la montée au cimetière, Coco Atsaras. Donc, la police fait avec eux pour accompagner la police. Mais accompagner la police, là, comment là? Alors, ah, mais c'est Samdou, si, si Coco Atsaras a tiré sur la police, ça n'a rien fait. Il y a couru, quitter la police. Donc, non, donc, monsieur. Donc, obligé que moi. Ah, non, mais, ah, oui. Mais c'est comme ça la bien. Ça, ça veut dire que là, madame, monsieur, attendez-vous, en fait, attendez-vous que d'ici le début, moi, janvier, ça, on va voir que justement, donc, il y a un de gros et équipement. Ok? Et il a commencé devant. Même si on songeait du temps de ministre. Les ministres sont venus, donc hélicoptère, donc machine a traversé à gauche, machine a traversé à droite. Donc attendons-nous, donc d'ici du mois de janvier, on va voir justement qu'il y a un déploiement d'équipement militaire. Donc, et cap débarqué donc en Haïti dans quatre forces multinationales qui gagnent pour rentrer là. Ok, donc mais ah, ah oui, mais sécurité à part tout, sécurité générale, mais général, ça veut dire que c'est de Haïti, le ministre grand goût à pâté à ça. Non, non, pas non, Haïti, Haïti justement. Ah, où faut, où faut très bonne considération. Ah, ça veut dire que ou font très bonne compréhension. Ah si le ministre, soldat brésilien ou bien chaque là, il te connaît checker une jeune femme. Ok. Quand y a un bac ouais, jeune femme y a même temps de checker. Correct. Ou clair. Ça veut dire que c'est pour nous attendre en pile caille pour un fermier, hôtel pour le faire comme, même j'ai tout nous pral jouer une petite. Pile petite. Ça on pile bagaille, ils sont bail complet lié. C'est vrai. Et puis pour gagner un petit cop qui a roulé dans le pays à tout. Correct, c'est vrai. Vous comprenez ça, les dollars. C'est vrai. Généralement. Parce que 600 millions de dollars par année, quand même, c'est un cop qui a vini. Bon, bien entendu, on va pouvoir jouer donc policiers et Kenyans qui pourraient voler l'argent par les familles aux États-Unis et au Kenya. Dans le pays, oui. Ok, mais un minimum cap quand même. Non, après, donc, il n'y a que d'attendre. Donc, mais là, tout bagaille clair contre le coq. Ok, donc le Parlement Kenya, donc il a pratiquement approuvé le déploiement de 100 policiers et Kenyans, donc une quatre forces multinationales qui est pour venir pratiquement donc, en Haïti. Donc il n'y a que d'attendre. On en est. Bon, Haïti sécurité. Le FBI renforce la mise à l'abri sur la tête de Vite l'homme innocent jusqu'à 2 millions de dollars américains. À quoi peut-on s'attendre? Même wow. Papa nous mentit. Il n'est pas autant de dans le pays. On va poser cette question. Bon. Et ça va bah, essayer. Mon cher, faut qu'on nomme. Où est l'agence à pour faire? Faut que c'est. Comment elle est? Office qui te fait arrêter Badjoua. Oui, faut son nom là. Oubliez non, de toute façon. Parce que là. Ouais, l'argent ça qui tombe, l'argent à terre, oui. 2 millions de dollars. Mais prenez-le. Non, mais même problème là qui vient bien matin à tout. Pour ça, c'est États-Unis que FBI a mis et a fait publicité ou du moins a mis des billboards pour annoncer que la cherche vite l'homme. Pour que ça pas venir mettre l'Haïti tout. Mais pour ça, bon, c'est Haïti vite l'homme. Et FBI connaît très bien qui bon vite l'homme. Non, c'est parce que. Comme si il va connaître des vidéos de l'homme. Il considère les vidéos de l'homme sont internationales. Non, ça n'est pas un problème. Ok? Mais mettez billboard, mon frère. Ou annoncer que 2 millions de dollars ou mettez sous tête et chef Ganga. Or, on connaît très bien que chef Ganga, c'est l'allié. À côté de là. Dans Peigné. À côté de là. C'est l'allié. Voisin. Sous tabac, il est pratiquement voisin. Donc, avec l'ambassade américaine. Comprenez bien? Et puis, on y a, c'est États-Unis, on mettez. Go billboard, on va annoncer qu'il va chercher vite de l'homme, on met 2 millions de dollars sous tête vite de l'homme. Bon, qu'on compte vite de l'homme. Alors, connaissant américain. Pour ça, par contre, ta force pour ça, les États-Unis, pas pour les soldats Lyon, pour venir là, font ta force avec la police nationale d'Haïti. Et puis, marcher pour vite de l'homme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, c'est mobilisation, on va payer. Son mobilisation à faire, m'a connaît pour qui ça fait. Est-ce que. M'a connaît. Est-ce que vous connaissez? Parce que souvent, le FBI travaille en secret. Oui.
Mais là, son bail public, pas gagner un secret là-dedans. Je ne connais pas. Je ne comprends pas logique ça. Je ne comprends pas. Parce que vite l'homme, c'est là qu'il y a avec Yotéa. Il dérange l'ambassade là plusieurs fois. Il dérange tout voisinage qui à côté l'ambassade là plusieurs fois. Et il a peigné. Et c'est là qu'il a évolué. Il a quoi des bouquets, il a peigné, c'est là qu'il a évolué. FBI connaît côté lié. Ok? Maintenant, mettez billboard aux États-Unis pour annoncer que vite l'homme, oh, à moins que je ne connais pas. Nous, alors, Vigilum, c'est un cap qui vie cachée. Mm-hmm. Son est public. Et de temps en temps, qui fait. Et, sur les réseaux sociaux, qui fait. Des sorties. Des sorties. Mm-hmm. Et son chef. Correct. Parce que d'ailleurs, il déclare, il n'y a pas de monde qui démentit. C'est clair. Ouais, le gouvernement n'a pas démenti. C'est clair. Donc, ça veut dire. Et tout le monde qui connaît, il connaît le travail vrai. Mm-hmm. Il utilise le pour. Vrai. Alors c'est ça le dit. Même quand celle qui toujours dit vite l'homme pas en gang, parce qu'il pas qu'on invite l'homme comme gang, parce que vite l'homme t'es qu'on fait campagne avec lui. Okay. C'est Anel Belize. C'est Anel Belize seulement qui est grand qui dit ça. Non mais ça c'est peut-être du parce que t'es en contact du mobilisation temps la, du temps de la campagne. Voilà. Mais après voilà, ça va la vie évoluer. Voilà, la vie évoluer. On dit pas qu'à foutre, tu dis ou pas qu'à foutre, tu dis vite l'homme pas gang, on pas capable. Parce que kidnapper moun et bouler quand moun. Donc écoutez non, on pas capable. Que je dis à la c'est que les Américains FBI, ils connaissent exactement côté vite l'homme. Pour ça, on va venir bon. Ok? Et même FBI, ça, pour ça, on va entendre avec l'armée américaine, prendre 2-3 soldats là, font task force, mettez avec la police nationale d'Haïti, mène une opération, et puis venir prendre vite l'homme. Maintenant, 2 millions de dollars. Si il y a des gens qui ont des informations déjà sur vite l'homme, avec 1 million de dollars seulement déjà, il y a des informations. Hein? Même Jean Poulon, moi, c'est vous. À moins que peut-être si M. Sayo entend avec une famille, qui fait famille en fait comme là, et puis qui livre tête, donc by FBI à travers famille. Bon, en tout cas, ça sont dossiers dans ce vice là, donc à l'émission Matin Débat. Mais invite l'homme et très recherché par la police nationale d'Haïti. Est-ce qu'on a dit invite l'homme très recherché? Parce que l'autre jour, le capitaine de l'église, il prêchait, il priait, tout le monde des bagages. Et ça me dit, son aide publique. Et là, son vie publique a mené, il va cacher. Il cherchait, il priait, il battait, il est Jésus-Christ, il est bon Dieu. Et de bien comme ça, donc, il fait fête, l'élève, donc, nous croyons le bouquet. L'élève, il fait fête, il fait d'artifice pété. Ça, c'est joué. L'autre chef gang. Ça, c'est joué pour eux. L'autre chef gang invité, il vient dans fête. Donc, est-ce qu'il a dit que son monde, que la police a cherché? Bon, en tout cas. Donc là, son dossier n'a pas suivi ici. Hein? Donc à l'émission Matin Débat. En tout cas, et son petit cop qui a été là, un petit cop. Non, 2 millions de dollars, on bon l'argent. Mais c'est qui mon gars? Mais l'argent, là, on bon l'argent. Maintenant, c'est qui mon gars? Ben, information sur l'argent ça. Pour l'argent ça. L'on bon l'argent, oui. On a parlé que vite l'homme, donc recherché par les Américains, c'est suite à kidnapping de 18 missionnaires. Nous songez que monsieur était kidnappé. Et non, c'est pas sur de ça, non? C'était deux Américains, moi crois, que monsieur était kidnappé, donc la caillou, donc n'est pas en lieu. Il y a madame qui est mourue sur place. Vous songez que nous sommes venus ici déjà. Oui, oui. Il y a madame qui est mourue sur place, et puis il était kidnappé. Donc monsieur, c'est deux grands mondes. Ok, finalement, on finit par libérer, donc grand monde. Donc, moi crois, c'est sous. Et à accusation, ça, c'est sous. Chef accusation ça que vous mettez pris ça sous tête vite l'homme en tout cas. Moi pas n'importe tout le monde de Paris tout qu'on a parlé de Paris en Haïti. Là les gens encore de baquer quoi grand nègre qui nous dit rien ça m'a l'air tout pis. Non pas la police là vite. Nous pas sur le road bon. On va aller là comme ça tu me dis. Ok pendant Jean Bella nous pas pour Dominique pas faire de méchanceté. Posez-nous mettre là, Haïti pas réglé pour parler. C'est grand nègre qui a vivre, pas pour malheur vivre. Pas yon pas qu'à continuer comme ça. Pour nous tous vivre, pas de travail dans le pays. N'a pour les marchandises, n'a pas jeté des marchandises, pas comme ça, mes amis. Il y a un bon Dieu sous la terre.
Et que là encore, nous sommes capables de dire que son victoire pour les Haïtiens, côté que nous l'avons président dominicain en contrebande. Parce que le plus gros contrebandier, c'est Abinadel, c'est lui-même qui parlait à gros commerçants d'Abonio, que Haïtiens qui ont acheté marchandises pour 50, 60, 100 000 pesos, et bien quoi pour y venir bayo marchandises là. Et que en général, c'est ça qu'on vient faire. Et que vienne porter vieux choux, vienne porter vieux œufs, vienne porter farine. Parce que farine, nous, en Haïti, nous avons bien son farine, nous avons continué à consommer, qui peut aller au pied en rien. Parce que nous pas mangé la caisse à la caillou, nous faisons pour Haïti seulement. C'est-à-dire que l'eau prend, nous avons gardé le marché sur nous, par l'exportation solamente. Ni pas de tomates jaja, pour les œufs, tomates, nous n'avons pas de qualité. Et bien, Dominique est tellement pas à Kembe, et bien, Abinadel, une fois encore, que bye, gardez l'ord, et que tout ça qui a sorti Haïti, puis on va prendre eux-mêmes. Et généralement, quand l'autre bagaille qui s'est passé là, c'est que Haïtien, côté là, c'est la partie dominicaine qui est côté que garde dominicain, baille Haïtien l'autre, pour envoyer wash sur Polyfran, ça veut dire que Haïtien est dans le bord là, pour un Polyfran, pour l'ennemi, pendant que eux-mêmes, ils viennent faire travail pour venir contrôler la frontière là. Ça veut dire que bagaille là, un petit peu compliqué. Et ça, quand nous avons demandé à l'État haïtien, pour vraiment que nous empêchions mon de rentrer dans la parole, il faut nous produire la caille. Pour nous produire la caille, il faut que l'agriculture nous mécanise. Et moi, je dis directement à ministre de l'Agriculture, lorsque vous êtes venu nous tester avec eux, il faut que nous gagnions un tracteur, nous gagnions une charrue, nous gagnions les moyens du bord. Parce que tout terrain ça que nous gagnons là, il y a fait tout manger ça, il y a fait chou, il y a fait oignon, il y a fait tomate, il y a fait maïs. Mais cependant, que nous n'avons qu'un appareil agricole dans nos dents, tout terrain était vide. Et que tension qui a déroulé là, nous ne savons pas comment elle a fini. Et non seulement comment elle a fini, mais Polyfran qui là, ils viennent devenir comme une menace, non seulement pour Dominique, mais comme une menace pour Haïtiens qui voulaient rentrer, il faut encore que avec contrebande. Parce que par là, je suis obligé de faire état de gaz lacrymogène parce que la population haïtienne qui est de l'autre bord, il y a beaucoup de wash sur. C'est-à-dire que la situation tendue nous fait appel encore que à l'État haïtien pour que pour que nous capables de gérer la question ça, faut que nous produisions la caille. Parce que le Nord-Est change avec terre, tout terrain aurait été vide. Non seulement que le terrain doit être disponible pour les gens qui sont dans la diaspora, qui ont besoin de venir investir, puis de venir investir, 50, 100 carreaux de terre, qui sont capables de venir, et que les machines agricoles autour doivent être disponibles. C'est bon, 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 c'est bon,